Salut les amis, bon aujourd'hui on va vérifier deux ruches. On va vérifier à deux ruches, savoir si la ruche elle est pleine. Alors on va vérifier à celle-là. Là, voilà, on va vérifier à cette ruche-là. Voilà les amis. On va vérifier à savoir si elle est pleine. Voilà. Voilà, on en fume légèrement. J'en fume légèrement pour savoir que la ruche elle est pleine, qu'elle n'a pas besoin d'une hausse. Allez, viens. Alors qu'elle est pleine au niveau de la colonie, voilà. Encore, ben ça commence, voilà les amis, ça commence à se remplir tout doucement. Voilà, voilà. Voilà, je vais prendre le cadre, le repose cadre. Voilà, voilà. On va vérifier, savoir que la ruche elle est pleine. Voilà, les amis, peut-être mettre un. Voilà les amis, ça c'est elle commence à remplir du nectar. Voilà la salade là, je vais la laisser là. Voilà les amis, je vais la laisser là. Là elle commence à me mettre là, elle commence à remplir tout doucement. Voilà, regardez les amis. Regardez les amis, là il y a des œufs, du pollen, voilà, voilà, il y a un peu de nectar. Elle remplit tout doucement du nectar là en ce moment, voilà, voilà. Là il y a un peu plus de gros œufs, voilà, regardez. Là j'ai mis un peu des gros œufs, il y a la reine à le pond, voilà les amis. Là elle commence à pondre tout doucement. Voilà, elle commence à mettre du pollen, du nectar. Voilà, voilà les amis. Là, en ce moment, je vais la laisser comme ça. Voilà. Elle commence à y aller tout doucement. Voilà, bon, bah, je vais la laisser comme ça pour l'instant. Elle n'est pas encore prête à avoir une hausse. Non, encore prête à avoir une hausse, salade. Bon, bah, je vais la laisser là. On va la laisser tranquille. Là, j'arrive. Voilà les amis, là on va retourner sur une autre petite ruche, voilà, que j'ai transvidée. Voilà. Voilà, on va faire ça là. Là voilà, j'arrive. Fume un peu les abeilles légèrement. Voilà, je vais mettre un peu de sirop aux abeilles. Voilà. Là, elle commence seulement qu'à se développer, celle-là. Voilà, je
commence à y mettre un peu de sirop. Voilà. Et voilà les amis, je commence à y mettre un tout petit peu de sirop. Voilà. Voilà, comme ça c'est fait, voilà. On va la laisser. Voilà. On va la laisser se faire en attendant. Voilà. Bon, maintenant on va aller. Voilà les amis. Là les abeilles elles tournent. Et voilà, voilà. Voilà les amis. Là en ce moment on va aller. Là il y a les abeilles elles tournent super bien en ce moment. Voilà. 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 Là ça tourne. Là j'ai fait des petits essaims. On va vérifier et savoir que les cellules, voilà, voilà, on arrive. Là j'ai refait plusieurs petites ruches avec des cellules, voilà. Voilà les amis, là en ce moment j'ai fait pas mal d'abeilles. Voilà. En ce moment je vais mettre ça là, voilà. On va mettre du sirop. On va mettre du petit sirop aux abeilles que j'ai multipliées. Voilà. Voilà, en ce moment, je vais pouvoir débarrasser ça. Voilà. Là, je vais vous replacer là, les amis. Voilà. Je vais vous replacer ici. Placer la petite ruche ici, voilà. Voilà. Et en ce moment on va vérifier à la petite ruche que j'ai développée, voilà, savoir qu'elle m'a fait des cellules. Regardez les amis, là elle m'a fait des petites cellules, voilà, là il y a des œufs, voilà, voilà. Elle a fait des... Elle m'a fait des cellules. Voilà. Là, ils sont pondus. Voilà. Elle a fait des petites cellules en ce moment. Sur le jeune couvain. Voilà. Elle a fait des petites cellules. Hein? En ce moment, elle a fait des petites cellules. Voilà. Voilà. Elle m'a rempli du miel. Miel pollen. Voilà, les amis. Miel pollen. Voilà. Voilà. En ce moment. Voilà. Là, c'est le couvain. Couvain fermé. Voilà, que j'ai refait, voilà. Est-ce qu'on m'a refait des autres cellules? Je voudrais bien savoir. Est-ce qu'on m'a refait d'autres cellules? Hein? Là, c'est du couvain fermé. C'est bien, on n'a pas fait... On n'a fait que deux cellules, là. Hein? Est-ce que les cellules sont... Oui, c'est bon, les rennes sont nées, sont là, là, là. On m'a fait plusieurs cellules. Là, ça commence seulement. Bon, ça, je vais la laisser. Voilà, les amis, c'était juste pour y vérifier. Voilà. Voilà, c'est juste pour y vérifier, savoir qu'elle m'avait fait des belles cellules. Voilà. Ça, c'est cela que j'avais laissé 3 jours à la cave. C'est-à-dire dans le sous-sol au frais. Voilà les amis, c'est cela que j'avais laissé 3 jours dans le au frais au sous-sol. Voilà. J'avais laissé 3 jours dans le sous-sol. Voilà. Bon, je vais enfumer légèrement. Juste pour vérifier.
Hein, c'est juste pour vérifier, savoir qu'ils m'ont fait des belles cellules. Voilà, excusez-moi de la jeûne. Ah, là, ils ont fait du sirop, là, il y a du sirop encore. Voilà, voilà, les amis. Voilà. Le sirop, ils n'ont pas tout pompé. Voilà. Voilà. Voilà, j'ai vérifié la salade là. Savoir qu'est-ce qu'ils m'ont. Est-ce qu'ils m'ont fait une cellule? Voilà, qu'ils ont refait une cellule. Ça va, vous voyez les amis? Là, je vais vous replacer là, vous verrez un peu mieux. Voilà. Vous verrez un petit peu mieux au niveau de la. Hein, de la ruche. Voilà. Savoir qu'ils m'ont refait des cellules. Les abeilles. Alors qu'ils m'ont fait des belles petites cellules. Oui, ça va. Là, il y a une cellule. Voilà, là, ils ont fait une cellule. Voilà, ils ont refait une petite cellule. Là, ils m'en ont refait une ici. Voilà, là, il y a une reine. Voilà, toi, les amis, là, ils m'ont refait une autre cellule ici. Voilà, ils m'ont refait une petite cellule ici. Voilà. Voilà. Et là, ils m'en ont refait une là. Voilà, bon, ben, je vais pas trop y toucher. Elle commence seulement qu'à préparer ses cellules. Voilà. Là, je vais prendre le lève-cad. Le lève-cad. Voilà. Pour revérifier, savoir qu'il n'y a pas d'autres cellules. Voilà. Voilà, ils m'en ont fait que deux. Voilà, ils m'en ont fait trois, là. Voilà, il n'y a rien du tout, là, par ici. Ah, ils m'ont fait que deux cellules. Que deux cellules là. Bon bah je vais pas trop y toucher, voilà. Voilà les amis, je vais pas trop y toucher. Je vais la laisser comme ça. Voilà, voilà. Voilà, ça c'est cela que j'ai fait, que j'ai laissé au niveau de la cave pendant 3 jours. J'ai laissé ça à la cape pendant 3 jours pour les cellules, voilà. Là en ce moment, là j'en ai refait une là, une ici. Là j'en ai fait plusieurs là aussi et que j'ai fait pendant 3 jours à la cave. Voilà, voilà, là j'ai refait quelques essaims un petit peu en plus, voilà. Bon, ben voilà les petites nouvelles, les amis. Comme ça, c'est fait. Et là, j'ai préparé à peu près les au niveau des petits essaims de cette année. Et voilà, bon, ben là, j'en ai refait encore une. Pour l'instant, elle est dans à la cave pendant 3 jours. Et comme ça, j'aurais pu caler. Après, à bien les replacer et les laisser bien en place. Comme ça, ça va beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide. Comme ça, je ne perds pas les ouvrières. Ça, c'est un essaim de cette année, ça. Ça, c'est des... Les autres, c'est pareil. C'est des nouvelles ruches, ça. En ce moment... J'ai la ruche tronc, voilà, la ruche tronc qui est bien active. Voilà, les amis, la ruche tronc, et voilà. Voilà les petites nouvelles que je vous donne. Et voilà, bon, ben, je vais vous laisser, les amis, et à plus.